Go check it out. Non, mais j'ai pas. Run! Run! Putain de merde, run! Interagir, clic gauche, zoom, run, space pour skip, tab, look objectif, come out of hiding, non, me dis pas qu'il y a un bail où faut se cacher. Attends, déjà, pourquoi on m'a déposé comme ça? Attends, on me dépose, il y a une cabine téléphonique? Oh là. Je peux savoir où on m'a déposé, là? Il y a quelqu'un qui a disparu. Steven WhatsApp, people who Steven was crazy because of his attitude. Donc des personnes disaient que Steven est fou par rapport à son attitude. At work, everyone called him crazy. Lunatique, au boulot, tout le monde disait qu'il était fou. Lunatique et sociopathe. As far as we go, there is fight between Steven and the butcher employé. Steven and the getting madame brutalité qui l'aide. Oh, Steven, il a tué brutalement un employé de face. Devant tout le monde. Oh, il a buté un employé face à tout le monde, le Steven. Donc Steven est complètement fou, on l'a compris. Hein. Ok. Steven, il a été arrêté, si jamais. Alors, ils ont appelé la police, ils ont réussi à l'arrêter. Oh, fuck. David. Bonjour, David. Hey, John. Ah, donc je suis arrivé une heure en avance. Attends, earlier, je crois que c'est une heure en avance, non? Je crois qu'il dit qu'on arrive une heure en avance, et je l'espère. Ah bah tiens, le mec il est en mode, bah tant mieux que t'arrives plus tôt, parce que de toute façon je devais partir justement plus tôt. Non mais non, putain. Est-ce que tu peux gérer le magasin pour moi? Les gars, j'ai encore envie d'éternuer. Il dit qu'il va nettoyer. Oh non, je sens pas. Ok. En fait, c'est dès que je mouche. Vous avez vu, je monte à 115 dès que je mouche, MDR. Do you have plans tonight? Est-ce que t'as des plans pour ce soir? Ouais. T'as quoi comme plan? Dormir. Ok. Allez, je te souhaite bon courage pour le taf. J'y vais. Merci. A plus tard, David. Salut. Ok. Bon. Put meat on the shelf. David, tu veux pas rester? Sans déconner, David, s'il te plaît, David. Tu veux pas rester? Objectif, expect customer. Tout arrive. Alors attends, expect customer, tout arrive, c'est quoi? Check beef. Oh, je peux plus sortir. Bah c'est la poubelle. Le balai, qu'est-ce que je dois faire? Juste attendre les clients là? Moi ce qui me fait peur c'est que je peux courir. Oh! Ah ouais, vous avez vu la jauge ou pas? Waouh. Bah, je peux dire que c'est pas une grosse jauge. Hein. Ah, expect customer, tu arrives, customer c'est client. Ok. Du coup on attend que les clients arrivent? Eh ben... Ah! Le premier client! Tant qu'il fait pas popo dans le magasin, moi ça me va les gars, parce que bon, on connaît les bails. Hein. Bonsoir monsieur! Dites-moi tout! Bonsoir monsieur! Ah, il voudrait du chuck beef. Très bien. C'est où? Attends. Comment je lui donne? Merde, comment je lui donne? Chuck beef. Tiens. Comment je lui emballe? Je lui donne pas direct comme as? Ah si, peut-être. Mais non, c'est pas possible. Tu peux pas donner ça comme ça. Ah! C'est bon.
Alors attends. Oh là là, oh la mauvaise vendeuse. C'est bon. Ok, donc ça c'est pour emballer? Oh, on va voir. Ah, pork chike. Ok. Il y a plusieurs trucs. Oh là là, je le sens pas. Je le sens pas. Monsieur, ne faites pas le fou, hein. J'ai trop peur parce que c'est typiquement le genre de jeu que j'adore. La vibe, parce que ça dégage, moi j'adore, je pourrais faire énormément de jeux comme ça. Mais je trouve qu'à la fois, c'est les jeux les plus angoissants. Faut passer le balai. Ah ouais? Mais je suis d'accord, hein, parce que je trouve que c'est dégueulasse. Hein. Moi je suis. Ah! Ah, oh, t'as raison! Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je me dis qu'il fallait passer le balai, c'était dégueu. Attendez, monsieur, je suis en train de passer le balai. Ok, je vais redéposer le balai parce qu'il y a un client. Bonsoir, monsieur, comment ça va? J'aimerais du poulet, est-ce que vous en avez? Ah, bah tout à fait, moi j'ai du poulet, j'ai vu ça il y a quelques instants. Hop là. Tac, je vous mets ça là, monsieur. Tac, tenez! Passez une bonne journée! J'allais vous dire bonne journée, j'ai bégayé. Au revoir, monsieur. Que je récupère le balai de nouveau. Et vas-y que je te passe le balai. Moi je suis devenue professionnelle dans le passage de balai, je vous le dis. J'ai joué à Viscera Clean Up Detail. J'ai des années de ménage avec Martine. Je peux vous dire que c'est bon quoi. Ok. C'est bon. Put meat on the shelf. Ça veut dire quoi? Put meat on the shelf. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, t'as la viande? Il y avait écrit hide. Oh non. Faut que je me cache. Oh non, moi j'aime pas ça. Oh non. Il faudra que je me cache s'il y a un bail où je vais devoir me planquer. Ça, c'est le genre de. Ah mais les poubelles peut-être, trash bag. Attends, mais je vais devoir prendre chaque bague et les mettre dans la poubelle? Ça veut dire mets la viande dans les rayons. Ok. L'ouverture de la porte me fume, hein. L'ouverture de la porte, c'est vraiment en mode on y va, tranquille. On voit ce que ça donne. J'ai un problème, mon perso il se déplace tout seul. Bah qu'est-ce que c'est que cette merde? What? Mais! Je sais pas si c'est la porte qui fait ça, mais. J'ai mon perso qui se déplace tout seul. Faut pas que ça fasse ça s'il y a un tueur, hein. C'est vrai qu'il y a une vibes Resident Evil avec l'ouverture de la porte. J'ai trop peur. Dernier sac poubelle. Ça m'angoisse. Non, ça recommence, j'ai le bug. Mais... Mais! Ok. Voilà, comme ça me sort du bug. Je vais utiliser. Enfin, éviter d'utiliser la touche Q. Je sais pas si c'est sur le jeu que ça bug ou si c'est moi. Oh non, ça recommence.
Mais putain, mais pourquoi? On peut mettre le VHS. Oh non. J'ai un gros problème. Bon, on va faire que ZQS. Mais non, mais regardez! Mais putain, mais. Je viens de prendre une balle dans le truc, mais je peux pas. Attendez, j'éteins et je rallume le clavier. Ouais, c'est bon. Mais qui a collé une balle dans le. Une heure plus tard. Non, ça c'est pas le poop killer, je te le dis. Hein. Attends, il y a un colis qui a été déposé devant. Est-ce que je peux prendre le balai peut-être pour nettoyer ça? Non, je le sens pas. Moi, je le sens pas du tout. Qu'est-ce que je fais du colis? Take the meat delivery and put it. Ah, je dois aller dans la zone de freeze là. Oh, je sens pas. Je le sens pas. Je sais pas quoi faire, je suis en train de paniquer. Le jeu veut pas me laisser sortir en fait. Il faut que je me cache, il n'y a pas de secret. Il y a un bruit derrière la porte. Open the meat box and take out the pork meat. Ah ouais. Donc ouvrir la boîte. Et là. Donc là, je vais mettre ça dans le stock. Je vais foutre ça dans le stockage. C'est vrai que c'est peut-être juste un client que je suis en train de m'emballer, hein. Ok, j'attends que les clients arrivent. Mais il pleut? Je suis pas bien. Les gars, je suis pas bien de ouf. C'est dit, en plus ça dit, putain. En plus c'est marqué hein, qu'il y a des screamers et tout. J'ai trop peur. Bon. Se prendre un coca? Okay. Hey man, you are brave to work in the hour with the killer on the loose. Attends, attends, de quoi? Hey mec, tu es courageux de travailler à cette heure-ci alors qu'un tueur en série s'est échappé? C'est ça? Oh, et s'il te plaît, file-moi bah, porc, c'est quoi, du genre du porc? Attends, 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 moi je suis angoissée là. Il y a un tueur dans les parages et il est en mode bah t'es courageux de bosser là. Moi ça a mal fini encore cette histoire là.
Ça va mal finir. Merci Azéo, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je suis pas bien. J'ai envie de rester dans un coin, de me planquer et de plus bouger. Genre, sans déconner, je vais me foutre dans le frigo et je vais plus bouger. Je suis angoissée là, j'ai les mains moites et tout. Je suis en mode, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une dinguerie. Oh putain. Oh putain. Attends. Je vais remettre les plombs. J'ai remis l'électricité, pardon, je sais plus parler. Put the ham is in stock. C'est quoi ham? Mais c'est ça. Non mais attends. C'est du jambon? D'accord. Eh ben on va mettre le jambon. Je suis pas bien. Putain, je peux pas partir. Il est là. Go check it out. Non mais j'ai pas. Mais non. Mais non. En fait, c'est une petite vieille qui a mal au dos, non? C'est juste une petite vieille qui s'est échappée et mamie, elle a foutu un sac sur la tête parce qu'il pleut dehors. Je fais quoi? Go to the back of the butcher. Comment ça? Go to the back of the butcher. Comment ça? Genre aller dans le dos du boucher? Je fais quoi? Allez. Mais là, aller à l'arrière. Oh putain. Seek help, ça veut dire quoi seek help? Oh, je suis paniquée. Mais c'est ouvert? Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire quoi seek help? Par pitié! Chercher de l'aide. Oh putain. Là là!
putain. Oh, c'est un film d'horreur, tout le monde s'est fait buter. Oh, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Appelle. Go back to a safer place. Va dans un endroit safe. Bah, je vais me cacher. Putain, j'ai tellement peur. J'ai sursauté de ouf parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un cadavre dans le bâtiment. Enfin, dans la boucherie. Et du coup, ça m'a fait sursauter de ouf, putain.